Oh, y'a un mec là. Oh, y'a un mec là. Et c'est... Le laser extrême avec la manette. Mais oui, je suis meilleur à la manette qu'au clavier souris. C'est quoi ce bordel? Si cette vidéo atteint les 100 000 pouces bleus, je m'engage à jouer à la manette pendant 24 heures d'affilée et vous montrer ma progression. J'espère que vous allez bien mes petits Saiyans, mais oui, est-ce que vous allez bien? Vous m'avez manqué. J'avoue que j'ai un petit peu merdé, même totalement merdé. 4 jours sans vidéo, c'est beaucoup trop. Mais au moins, vois le bon côté des choses. Je me suis bien reposé pour les live théories qui arrivent. Parce que oui mes Saiyans, ça arrive. Aujourd'hui, j'ai pété un câble de malade. J'ai décidé de passer manette et de devenir champion. Non, non, ce n'est pas une blague. Comme tu peux le remarquer, mon compte s'appelle NextazL2R2. Parce que oui, je te le dis direct, dans cette vidéo, je vais mettre que des headshots. Je lance cette nouvelle série sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment envie de progresser un maximum avec la manette. Donc oui, il y aura des suites. Et je compte sur toi pour les regarder. Pour ce faire, il faut s'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. En plus de ça, j'ai bientôt les 2 millions d'abonnés. Abonne-toi s'il te plaît, je veux les avoir rapidement. Après t'être abonné, il te manque une chose pour rejoindre le peuple des Saiyans. C'est super simple. Il faut mettre le code NEXTAZ dans la boutique. Pour ce faire, vous allez dans boutique d'objets. En bas à droite, soutenir un créateur, vous appuyez dessus et vous mettez Nextaz, majuscule ou minuscule, on s'en fout, à accepter. Et en haut à droite, ça vous mettra créateur soutenu, Nextaz. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je sens que cette nouvelle série où je joue manette va être incroyable. Je suis en créatif sur une île vierge et je vais vous montrer mon niveau à la manette. C'est le jour 1. Alors il faut savoir que moi j'ai commencé Fortnite sur PlayStation. Je jouais déjà à la manette mais pas en spécialité construction. Ça n'existait pas. J'étais en spécialité combat comme tout le monde et là je suis en spécialité construction. Je n'ai jamais joué avec. Et en réalité je me débrouille pas si mal. Allez c'est parti, je vais essayer de construire un petit peu. Pourquoi pas tenter un 90 et c'est réussi. C'était pas rapide de malade, mais c'est validé. Attendez, j'ai une petite idée derrière la tête. J'aimerais rentrer quelque chose de beau. 90 degrés rapide avec mur, escalier, sol. Et aussi, ça c'est beau, c'est réussi. Attends, est-ce que je peux enchaîner? Oh là 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 là, mais Nextaz manette. Mais oui, je suis meilleur à la manette qu'au clavier souris. C'est quoi ce bordel? Direction Lazy Lake pour ma première game en arène à la manette. Oui, je suis fou, mais c'est ma ville préférée. Ma ville préférée du chapitre 2. Bon, moi, je vais essayer d'aller au niveau du pistolet. Le mec a réussi à avoir une arme, mais moi aussi, j'en ai une et directement, il me challenge. Mais pourquoi tu fais ça, frérot? NextazL2R2. Tu dégages. Je vous jure, je sens que je vais bien me débrouiller. Attendez, par contre, il y a un mec juste en dessous. J'aimerais bien le rusher. J'ai quand même, moi, une PM bleue. Et à la manette, ça fait énormément de dégâts. J'arrive, mon frérot. On va caler des petits murs par-ci, par-là. Je vais vous montrer un petit peu mes edits, même si c'est pas foufou. Le mec est derrière moi. Et ça part directement sur un laser. Heureusement que j'avais la PM. Toi aussi, tu dégages. Vous avez vu, je me débrouille vraiment pas si mal hein, pour le coup. Bon, là, je suis trop trop bien. J'ai une SCAR, un pompe, une PM bleue, tout le stuff que je voulais. Et en plus de ça, je suis le roi de Lazy Lake. Mais oui, mais regardez, le dieu de Fortnite est avec nous. Le pompe épique qui est obtenu, ça fait plaisir. Imaginez, je fais mon premier top 1 à la manette dans cette game. C'est ma première partie en arène. Allez, donnez-moi du shit, bambino. J'en veux un maximum dans mon stuff. Et coffre légendaire, qu'est-ce que j'ai dedans? Le tactique légendaire, je prends. Allez, je veux des kills, j'ai confiance en moi. Je sens que je peux exterminer d'autres bambinos. Et en parlant de bambinos, il y a un mec devant moi. Est-ce que je peux potentiellement le laser à la SCAR? Je vais essayer de faire de mon mieux. Pour le moment, aucune balle ne touche. C'est un petit peu dommage et j'arrive pas à construire. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Toi, mon pote, tu vas mourir. Allez, hop, 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 hop. Je prends un petit peu de hauteur et c'est le moment de le laser. Heureusement que j'ai géré. Troisième kill. Enfin géré, oui et non. C'était vraiment pas foufou. Mais bon, ok. Et moi j'ai mon petit kill. Je vais prendre les mini popos. C'est mieux que la popo 50. Merci. Et tout ton stuff. Oh là 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 là. Il avait la Thompson mythique. Mais je suis trop bien. Nextaz avec une manette. Donc il met des gros L2R2. Et en plus de ça, avec la Thompson,
ça va chier. Et en parlant de ça va chier, il y a un mec devant moi. Et il me semble que le mec devant moi a tout simplement l'AK mythique, plus aussi le grappin. Je vais essayer de faire très 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 attention. Je lui ai mis des belles petites balles. On va continuer nous d'avancer. J'essaie de me protéger un maximum. Voilà, en vrai je me débrouille pas si mal hein. C'est le moment de le laser en maximum. Et c'est réussi. Mais oui, let's go baby. Merci beaucoup pour tout ton stuff. Je vais prendre moi le petit space 12 ainsi que le grappin. Ça va nous sauver. Et je suis en train de me faire rusher. Je vais faire très 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 attention. Ok, je reprends un petit peu le high ground. Le mec est là. Boum. Ça break directement le shield. Est-ce qu'il y a moyen de le terminer? Je suis en train de me faire rusher par une autre personne. J'ai peur. Je fais n'importe quoi. Laissez-moi vivre. J'ai confiance de ouf avec la Thompson. Le high ground est récupéré. Le mec est juste devant moi. Et oui, oh là 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 là. Mais c'est une atomisation. Je vais le rusher directement avec... Ben non, en fait, je vais pas le rusher. Le mec a décidé de partir et j'arrive à le tuer dans les airs. Mais j'ai vraiment un shoot incroyable. Et vous savez quoi? Je vais même pas jouer avec de pompe. C'est le retour d'une extase vraiment énervée. Allez, je veux un maximum de kills. Montrez-vous les bombes. Où êtes-vous? Risky, malheureusement, il n'y a personne. Et moi, je vais essayer de faire des petits 90. Bon, c'est pas trop trop rapide, mais ça va, je me débrouille bien pour caler mon tremplin et essayer de trouver quelqu'un. Et en parlant d'essayer, c'est bon, les amis. J'ai trouvé ma prochaine victime. Alors, attention, lui, je vais le jouer très intelligemment. On va prendre la petite AK. On va y aller petit à petit. Il faut pas qu'il me voie. Je vais camper, attendre qu'il sorte. Et là, ça va chier. J'ai une manette, tu vas mourir, eh oui. C'est ça que je veux voir, allez, maintenant là je prends la Thompson. Il faut que je la prenne directement. Et c'est le kill, je suis désolé frérot. Mais je suis énervé comme je l'ai dit. Ouh, c'est en train de tirer. Je vois mes prochaines victimes, je vais les W qui a la manette, alors que je sais même pas construire, c'est n'importe quoi. Oh, il y a un mec là, oh, il y a un mec là. Et c'est... Le laser extrême avec la manette. Mais je vais passer manette. Oh, il y a un petit bambino devant moi. Est-ce que je le rush à votre avis? Et oui, je vais le faire, mais juste avant, je vais essayer de le toucher. Ouh là 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 là, doucement frérot, t'inquiète pas. Ma manette va te picoter. Elle te picote de malade. Mais c'est n'importe quoi. Je suis choqué, je suis juste au jour 1. Imaginez après le 24 heures manette. Imaginez après tout ça. Ça va être un massacre. Et oui, ça va être massacre sur massacre. Mais j'aimerais bien continuer d'en faire aussi dans cette game. Ok, j'ai touché deux fois à la petite Scar mythique. Est-ce qu'il y a moyen de l'atomiser? On le touche maintenant, ça part sur de la petite Thompson. Et le 9e kill, le désintégreur, je t'ai désintégré. Je suis dans le dernier carré de cette game, la fin de la partie top 5. Je peux faire 14 kills. Mais sans vous mentir, je m'en fous un petit peu des kills. Moi, le plus important, c'est de faire top 1. Et pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je me... Oh là là, mais il y a du monde de partout. Oh là 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 là. Le mec m'a calé un coup de lance-roquette. J'ai peur. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ok, ok, je me boxe. Bim, 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 bim. Moi, je mange mon petit poisson, mes mini popos. Et je vais te désintégrer. Allez bim, je reprends un petit peu de hauteur ici, histoire d'avoir des informations. On va taper des petits edits. Mais vous avez vu, je me débrouille quand même pas si mal. Il y a un mec là-bas, est-ce que j'ai un moyen de le laser? J'ai peur qu'il m'ait vu hein. Parce que là, s'il m'a vu, il me met une balle de barrette. Je suis vraiment dans le caca, il est dans la box. Moi je suis pas dans la zone, mais je vais attendre un petit peu. J'ai le temps, mais pas énormément. Et le mec sur la grange m'a repéré. Il veut me tuer. Ok, je prends un petit peu de hauteur, est-ce qu'il va piquer? Non, pas pour le moment, moi il va falloir que je décale. Et je vais décaler, mais par le côté, tout en faisant très 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 attention. Elle est compliquée cette fin de partie. Je vous l'avais dit, ça allait pas être aussi facile. Je suis un débutant manette, mais ça il ne faut pas oublier. Je sais même pas comment on change de construction, comment on fait pour passer en métal. Je vous jure, je ne sais pas. Je vous jure, je ne sais pas, mais comment on fait? C'est quoi ce bordel? À matériaux, c'est bon, j'ai réussi. Oh, il y a un mec à tremplin, il y a un mec à tremplin. Est-ce que je peux l'atomiser? J'aimerais bien, sans vous mentir, et c'est fait. Mais oui, c'est incroyable. Oh, le mec là-bas est en train de me full rocket. J'aimerais bien le laser, il veut me faire tomber. Et ça, ça me fait vraiment chier un maximum. Je suis en train d'atomiser toute la game. Je break shield vraiment tout le monde. Et je pense que je vais aller. Allez, vous savez quoi, j'y vais, j'y vais, j'y vais. On porte nos coronas un maximum, les amis. On a la Thompson, je suis un joueur manette. Je vais les terminer rapidement. Il y a un mec là, c'est le petit kill. Et je vais me retourner et essayer de le fumer. Mais oui, première game, on arrête, c'est le top 1. C'est ça,
que je voulais voir. Top 1 12 kills à la manette. Ce n'était pas des lumières en face. Mais moi non plus, je n'ai pas du tout construit de la partie. J'ai juste L2R2, des moments avec ma manette et avec ma Thompson. Mais Sion, je vous jure qu'après cette game, je me dis, le rush champion, il va bien se passer. Là, dans cette game, j'ai fait quelque chose de vraiment pas si mal. Si j'apprends à construire, à avoir un shoot irréprochable, parce que bon, là, c'était pas parfait, c'est normal, c'est le jour 1, je vais y arriver. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo Nextase à la manette. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est la première vidéo de la série, le jour 1. Ne vous inquiétez pas, il y aura des suites rapidement. Ça arrive sur la chaîne. Nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Nextase, je vous aime. Peace!